Maxi, écoute, chez Maxi cette semaine, tu as le filet de saumon. Ben oui, toi, le filet de saumon, là, qui, écoute, il bat des records de semaine en semaine. La semaine passée, écoute, il avait battu un record à 6,77. La livre, là, cette semaine, 6,75. On en veut, qui dit mieux? 14,88. On est en bas de 15 piastres le kilo pour du vrai filet de saumon frais, là. C'est vraiment pas cher. Je me suis informé un peu pourquoi, comment ça, qu'on a du filet de saumon dans ce temps-ci. C'est parce que là, ils ont trop de stock. Ils savent plus quoi faire avec le saumon. Ils vont tout le perdre tellement que. Fait que c'est pour ça que là, dans toutes les épiceries, là, de plus en plus, on voit du saumon. Fait que, écoute, on va en profiter parce que c'est super bon. Puis c'est certain que ce prix-là, c'est pas un prix qui va être là. En tout cas, je ne sais pas combien de temps. J'espère que ça va donner son nouveau bon prix, mais j'en doute. Écoute, fait que tu sais, là, chez Maxi, 6,75 la livre pour du filet de saumon, vraiment pas cher. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on retrouve? Écoute, les cuisses de poulet. Ah oui, cette semaine encore, les cuisses de poulet, la semaine passée, il n'y avait pas. Il y avait juste le poulet entier. Mais là, la cuisse de poulet à 1 pièce la livre. Hein, c'est le prix qu'on cherche. Ou 99 cents, on va accepter 1 pièce. Ou 2,20 le kilo. Ça, c'est parfait pour. Hein, toute la peau, pas de cuisse avec le dos, puis l'os, puis la peau, puis tout. Super. Écoute, c'est chez Maxi que ça se passe. Aussi, chez Maxi, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, écoute, la saucisse royale. C'est bon, c'est bon. Pas la grande cuisine, ça c'est sûr, mais là, il est 3 piastres la livre, ou si tu préfères 6,61 le kilo. Encore là, 1 kilo de saucisse pour 6,60. Hein, tu sais que tu peux, bien sûr, là, t'en servir comme base là, pour faire une sauce. Tu l'enlèves de sa saucisse, là. Tu gardes juste. Tout ce qui est épicé, tu peux même rajouter de la viande toi dedans, ça, hein? Parce que des fois, il y a toutes les épices déjà. Fait que, pour pas avoir le trouble de le faire, quoi que ce soit, souvent, tu peux le bonifier toi-même en ajoutant des choses, un peu comme une pizza qu'on achète, hein, qui a quasiment rien dessus. Ben, coûte 3 piastres, parfait, on apporte, on a quelques ingrédients, puis on rajoute des ingrédients, puis là, on la bonifie, puis là, elle devient beaucoup plus intéressante. Mais un peu avec la saucisse, on peut faire un peu la même chose, ou tout simplement la manger comme ça, hein, c'est sûr, parce que là, il n'y a rien à faire. Tu la mets directement sur le charcoal. Moi, c'est par contre des saucisses comme ça, quand la peau est un petit peu, tu sais, le tube, là, un peu trop épais. Des fois, même quand tu le cuis, là, ça manque un peu de. T'sais, ça a une petite texture. Fait que moi, avec un couteau, je viens de l'enlever. J'enlève ça sans défaire la saucisse. Je garde la saucisse dans le fond. Hein, puis je la fais cuire comme ça sans la peau. Puis ça fait le job. Puis je trouve que c'est meilleur. Là, en bouche, en tout cas. C'est mon avis. Là, tu en as plusieurs sortes, souvent la italienne douce ou la italienne forte. Regarde ça. Mais écoute, c'est ça qui est ça pour chez Maxi cette semaine. Mais je t'encourage vraiment, je t'invite à t'abonner à l'abonnement VIP de Papa Popote parce que là, tu as les vidéos, tu as les 10 rabais de la semaine, tu as les listes pour autant la semaine que pour les 10 rabais. Tu peux télécharger les vidéos, les audios si tu veux un podcast. Tu as les PDF avec ou sans images, les recettes qui viennent à chaque semaine, tu vas avoir des recettes nouvelles. Quasiment chaque semaine, parce que là, c'est beaucoup de travail, bien, de plus en plus, je vais en avoir. Fait qu'à chaque semaine, je vais être capable de te mettre une recette en rapport avec les rabais de la semaine. Fait que ça, c'est vraiment un aide, puis c'est une inspiration. Puis en même temps, mais t'encourages Papa Popote. Ah, puis c'est un must au Québec là, d'écouter la vidéo, puis de voir la circulaire de Papa Popote. C'est bien sûr. Fait que, sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine de juillet. Puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.